A crowd pulled down the statue of the 17th century slave trader Edward Colston. And then this symbol of Britain's own racist past was heaved into it. In Paris they marched, as they did in Rome and Tokyo. In Hungary, a silent crowd took a knee for 8 minutes and 46 seconds, the time Officer Chauvin had his knee on George Floyd's neck. Alors aujourd'hui, nous sommes en Suisse, à Genève, et nous avons la manifestation de Black Lives Matter. On proteste contre les racistes, tout simplement, et pour toutes les personnes qui véhiculent les inégalités sociales envers différents groupes ethniques. On est là, en fait, du coup, pour d'abord apporter notre soutien au mouvement qui se passe aux États-Unis, également pour dénoncer les violences policières et le racisme en Suisse. Montrer qu'en fait, on est tous là, unis, qu'on fait tous face aux mêmes difficultés et qu'on va les affronter ensemble. Très très en colère, dégoûtée, beaucoup de frustration. De la frustration parce que c'est des choses qu'on a vues dans le passé, qu'on continue à voir et qu'on sait qu'ils vont continuer à arriver dans le futur. Je suis triste, mais à la fois je suis content parce que je me dis, enfin il y a une révolution en fait. On va changer les choses aujourd'hui. Réveiller les consciences et faire en sorte que ça avance, quoi, parce que c'est vraiment super important. J'aimerais que les choses changent, j'aimerais faire comprendre que je ne suis pas d'accord avec tous ces actes de violence envers les personnes noires. J'espère que ça va un peu leur ouvrir les yeux, le fait qu'il y ait autant de gens qui se mobilisent pour une même cause. Peut-être qu'ils vont avoir conscience de l'ampleur du problème et que c'est pas seulement de l'autre côté du monde que ça se passe. Aujourd'hui, c'est super important d'être présent pour montrer que non seulement on soutient nos frères et sœurs afro-américains, mais aussi en plus qu'on est conscient qu'il y a aussi des violences politiques en Suisse, qu'il s'agisse d'Hervé ou de Claudio. C'est vraiment une question de manifester, de montrer qu'on est présent, qu'un système d'oppression et de violence systématique n'est absolument pas acceptable dans une démocratie. Un racisme nuisible qu'on vit tous les jours, a des aspects différents. Et la mort de Georges, c'est une mise en scène, c'est une mise à mort publique et c'est plus que choquant. Parce que trop c'est trop, vraiment trop c'est trop, on ne peut pas rester silencieux, il faut parler, il faut agir, voilà, voilà je soutiens, c'est ma couleur de peau et ça mérite justice, voilà. Tranquille, tranquille. La meuf, il y a tout le monde.
personne qui va sortir. Achetez ma sauce, non. Alors, non, alors, la paix, voilà. Oh, lui. Okay, everyone, like I was saying, enough is enough. Okay, we've had enough. You're gonna hear our voice. No more dictating, no more playing games, no more manipulation, none of that. Enough is enough, okay? Stop the games, stop the bullshit, stop the killing. Leave my color alone, leave my race alone, leave my people alone, leave everyone of color alone. You don't like it? You don't want it? What the hell is wrong with you? What is wrong with you? And I've got a message. Yeah.
clairement ça. Yeah.
vous. Thank you.
Black Lives Matter!
justice! No peace! No justice! No peace! No peace! Black Lives Matter!
C'est un continuum. C'est un continuum de violence. C'est un continuum de violence envers les personnes noires. C'est la culture du racisme anti-noir. Bonsoir. Je suis de Shinoti Oju, d'Afrocentriste International. Je suis le représentant légal de cette organisation mondiale. Et c'est un peu dommage que nous soyons ici pour parler de devoir revendiquer notre façon de vivre et notre façon d'être. C'est dommage, hein. Vous voyez un peu comment nous sommes... il y a une sorte de rétro dans cette façon de vivre. Nos relations entre le Sud et le Nord sont pas, doivent être encore revues. Normalement, nous ne devons pas être ici pour dire que notre vie compte. Normalement pas. Je trouve un peu dommage. Donc, il y a des choses à faire. Nous devons faire des choses. Nous devons comprendre les enjeux politiques, géopolitiques des États qui laissent ces politiciens, ces services de police commettre ce genre de meurtres qui ont été jusque-là banalisés. Les meurtres des Noirs en Afrique, parce que c'est là qu'il faut commencer. Les meurtres des Noirs en Europe, les meurtres des Noirs aux États-Unis, les meurtres des Noirs au Brésil, les meurtres des Noirs en Océanie-Asie sont banalisés et ça ne pouvait pas être le cas. Frères et sœurs, chers amis, nous devons prendre conscience qu'il y a une guerre psychologique, une guerre physique qui est menée malheureusement à la communauté noire dans le monde, et il faut l'accepter. Je sais que ça fait mal de l'entendre. Je sais que pour les camarades blancs, occidentaux qui sont là, d'entendre ce discours, ça peut faire mal. Mais il faut l'accepter, c'est la réalité. Nous ne sommes pas là pour... Nous ne sommes pas là pour... orienter les gens vers la haine des autres, non. Mais il faut dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont, pour que nous puissions voir là où ça fait mal et soigner le mal à la racine, parce que la haine raciale existe bel et bien. Et c'est ensemble que nous allons le faire. C'est ensemble que nous allons le faire. Blanc, noir, jaune, etc. C'est ensemble que nous allons le faire. Nous sommes heureux de voir que nos amis sont avec nous. C'est la première fois que je vois une organisation, enfin une manifestation se tenir à Genève où il y a tout le monde. Et je souhaiterais vraiment pas voir une autre manifestation où le noir aurait tué un blanc, pour que nous nous retrouvions en train de faire une manifestation dans l'autre sens. Voilà pourquoi nous devons travailler ensemble. Nous devons interroger les services de police, nous avons impliqué donc les politiques, de sorte à ce que les politiques migratoires et les politiques d'immigration soient revues. C'est là que ça coince. Et que dans les systèmes éducatifs, en France, en Suisse, en Europe, que la vraie histoire de nos peuples soit enseignée, parce que c'est là aussi que vient le problème. Il faut qu'on enseigne aux jeunes blancs que dès le bas âge que la vie des noirs compte, c'est dès le bas âge. Et il faut qu'on enseigne aux jeunes noirs que la vie des blancs compte. C'est ça le problème. Les systèmes éducatifs doivent être revus dans le monde entier. C'est vrai, l'histoire est passée par là, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. L'impérialisme, je pense à Berlin, 1884, 1885, où l'Afrique a été morcelée, c'est là que commence. Gobineau, je pense à Gobineau, c'est ce monsieur qui a dit que l'homme noir est inférieur et que l'homme blanc est supérieur. Voilà le problème. Nous devons tous ensemble revoir ces systèmes éducatifs. Nous devons tous ensemble revoir
ces écrits qui gangrènent dans les universités, l'idéologie qu'on infuse dans nos universités ne sont pas faites pour que nous nous respections. Avouons-le. Et c'est ça qu'aujourd'hui, nous ne devons plus être ici en train de faire Black Lives Matter. Non. Ce sont des choses qui devaient couler de source. D'accord. Donc, ayons le courage d'attaquer à la racine de ces problèmes. D'accord. Et là, je suis membre d'une organisation panafricaine afro-centrée qui m'a donné quelques messages pour vous. Cette organisation me dit que nous devons nous pencher justement sur ces mots MAUX qui gangrènent notre façon de vivre. Cette organisation m'a demandé de vous dire que aujourd'hui encore, sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique, le FMI, la Banque mondiale, tuent les Africains directement dans leur pays. Le poids de ce genou, le poids donc de ces institutions est encore dans le cou des Africains. Parce que quand on étrangle une économie, on tue les peuples. La Banque mondiale, le FMI et les institutions, les banques privées qui financent et qui soutiennent donc l'exploitation de la matière première sur les Africains directement. Là aussi, il faut les battre. Soyons courageux, ensemble nous allons le faire. Je lis moi du Jean Ziegler, je lis aussi du Hamam Azama, je lis du Cheikh Kanta Diop. Vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez le faire. Et aujourd'hui, moi, je suis un peu gêné de voir que, comme je disais au début, comme, ne le prenez pas mal, les chers frères noirs, comme si on venait que demander de l'amour. Vous voyez un peu où on est arrivé? Ça ne devait pas être le cas. On ne devait plus revenir ici pour commander de l'amour, pour demander que nos vies comptent. Nos vies comptaient depuis 300 000 ans avant. J'y sais! Nous sommes l'origine! Nous sommes l'origine! Nous sommes l'origine! Nous sommes l'origine! Et ça, il faut l'enseigner! Il faut l'enseigner! Nous sommes l'origine! Voilà! 300 000 ans avant JC, l'homme moderne naissait. Il a quitté cette Afrique il y a 80 000 ans et ça a donné 40 000 ans plus tard où nous sommes, l'Europe! L'Europe est née des entrailles de l'Afrique. L'Europe est née de l'entrée de l'Afrique. Les Européens sont les enfants des Africains. On me demande de parler plus lentement, je vais le faire. Vous savez, ça fait mal de devoir, comme je dis, devoir venir réclamer nos vies. Apprenons à nous respecter. Afrocentricité internationale est une organisation panafricaine afrocentrée qui œuvre pour l'amélioration des consciences politiques et culturelles. Elle a 4 volets d'action dans le politique, dans l'économie, dans l'éducation, comme je disais tout à l'heure. Et puis l'autre volet qui nous semble très important, c'est le volet spirituello-culturel. Parce que sans le spirituel, les 3 autres volets ne tiendront pas. Voilà pourquoi, dans tout ce que nous faisons, nous invitons le spirituel. Quand je dis spirituel, c'est un être humain, tout simplement, spirituel. Voilà. Et donc, je vous dis merci d'avoir été attentif. Gardez les points importants. Géopolitique, géostratégie, histoire, changement de nos manuels scolaires dans nos universités, nos lycées et collèges. C'est hyper, hyper important. Parce que l'Afrique a passé, en Afrique, on a passé 60 ans, voire 80 ans à connaître l'histoire de l'Europe. Mais si je demande ici à un occidental, où je suis aussi, j'ai grandi ici, de me citer un seul savant africain, je suis sûr que nous ne serons même pas 2.
Pourtant, l'Afrique a beaucoup de savants. Et donc, le travail dans l'autre sens doit être fait. Nous devons enseigner l'histoire africaine aux jeunes noirs et jeunes blancs en Europe. Vous avez entendu quelques mots? C'est pour vraiment faire comprendre où ça touche, où ça fait mal. D'accord? Donc, nous serons ensemble. Nous serons ensemble. Le slogan d'Afro-Centricité, c'est l'unité. Et notre but est la victoire et notre destinée. Voilà ce sur quoi nous devons nous tous nous unir. Pour ceux qui veulent nous retrouver, nous sommes sur Facebook Afro-Centricité International Suisse. Je vous remercie. Otep à tous ici. Otep, je vais tout simplement dire paix sur le peuple. Otep. I'm gonna make you mine.